un tournoi qualificatif pour les championnats de France, apparemment. Voilà, c'est un tournoi, c'est le cinquième tour du Critérium fédéral de National 1, donc c'est le plus haut niveau en France, qui est qualificatif pour les championnats de France senior, junior, cadet, minime, benjamin. C'est-à-dire que pendant ces trois jours, on trouve ici l'élite du tennis de table français dans toutes les catégories, les petits jusqu'aux meilleurs. Au niveau de l'élite senior, on n'a pas les tout meilleurs joueurs français parce qu'ils ont déjà suffisamment de points pour participer au championnat de France à Arras à la mi-mai. Par contre, on en a d'autres qui sont venus encore gagner des points pour se qualifier. Donc ça, c'est l'intérêt de ce tournoi encore. Hein. Il y a un enjeu sportif important. Toutes les régions de France sont représentées, il y a presque 300 joueurs, hein, du plus petit au plus grand. Hein, je crois qu'ils sont 270, je crois. Hein. Ce cinquième tour, il est réservé vraiment à l'élite. Et l'intérêt, c'est que par exemple, un minime de 11 ans, là, il peut jouer contre s'il s'inscrit, il peut jouer contre quelqu'un qui est d'une catégorie d'âge beaucoup plus élevée, et ça lui permet de se confronter. C'est des choses qui ne pouvaient pas se faire encore il y a 4-5 ans. Depuis 3 ans, nous avons dans le tennis de table français un classement par points qui ressemble un peu au classement des joueurs de tennis, c'est-à-dire que chaque fois qu'on joue, qu'on gagne ou qu'on perd, le classement évolue, il y a des performances, des contre-performances, et le classement est adapté. Le joueur a accès à son compte et à son classement en direct sur le site internet de la Fédé et sur son portable, SMS, tout ce que vous voulez. Expliquez un peu votre rôle sur cette manifestation. C'est surtout la supervision déjà de l'ensemble du corps arbitral, hein, puisque nous avons 48 arbitres pendant 3 jours ici à Pont-à-Mousson, mais c'est aussi au préalable toute la préparation de la manifestation, et puis les tirages au sort, et puis tout le déroulement sportif. Ils viennent d'où ces arbitres? Alors 48 arbitres qui viennent de l'ensemble de la France, on a du sud, de l'ouest, évidemment des Lorrains, des Alsaciens un peu plus proches, mais de l'ensemble de la France. Alors à l'instar du tennis, il y a des contestations, tennis de table, on a connu John McEnroe, on connaît tout le cinéma, on voit pas tout ça. Il y en a également, bien sûr que ça existe. Toujours des contestations sur des points litigieux, la balle a-t-elle touché, la balle n'a-t-elle pas touché, enfin, est-ce qu'elle a pris le filet, est-ce qu'elle a pas pris le filet, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est heureusement des cas rares et minimes, et je ne pense pas qu'on en verra ce week-end. Chercher quoi sur une manifestation comme ceci? Je viens voir les athlètes que nous avons au sein du centre national à notre charge. Donc on vient vérifier de la progression, de la bonne tenue de ces jeunes gens. Il y a un centre national un peu comme le football, INF Vichy. Oui, l'INSEP est situé à Paris dans le 12e arrondissement. À l'intérieur de cet établissement, de nombreux pôles nationaux s'entraînent, étudient pour ces jeunes gens. Donc c'est une structure à la fois sportive, mais aussi scolaire ou professionnelle, puisque les athlètes aussi peuvent y suivre une formation professionnelle. Je ne sais pas si vous voulez me démentir, mais j'ai l'impression que le tennis de table reprend de l'intérêt.
Bah, y a eu une période dorée, bien sûr, après la médaille d'argent olympique en 92 de Jean-Philippe Gatien, son titre de champion du monde, les nombreux titres européens de l'équipe de France. Il y a eu une génération de joueurs qui a fait parler d'elle. C'est vrai qu'il y a eu un petit creux et là on a une génération de jeunes joueurs, jeunes seniors, jeunes juniors qui dominent entre guillemets l'Europe, surtout pour les juniors et les cadets. C'est le fruit d'un travail collectif, fédéral, local aussi, hein, le tissu local évidemment. Mais depuis 2000-2001, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui s'est mise en route et voilà, on commence à en voir les fruits. Tennis de table, c'est en pourcentage le physique et la technique. Je dirais que 30% physique, 70% technique. Ça dépend des périodes aussi, de la vie, parce que quand ils sont jeunes, adolescents, on fait attention aussi à cette période de croissance. Donc la notion de travail physique, elle est bien mesurée. La technique, elle a un rôle bien sûr prépondérant. Et en tout cas, c'est des jeunes gens qui s'entraînent 5 à 6 heures au quotidien. Alors pourquoi Pont-à-Mousson ? Parce que c'est attractif au niveau de l'outil. Pont-à-Mousson, c'est parce que la Ligue de Lorraine a été choisie par la fédération pour organiser ce tour. La Ligue de Lorraine est réputée pour des organisations en tennis de table haut de gamme, avec des conditions de jeu et d'accueil des participants haut de gamme. Moi qui suis président de la Ligue d'Alsace à côté, j'en sais quelque chose. Et la fédération a l'habitude de donner des organisations très régulièrement à la Ligue de Lorraine. Alors ça peut être Pont-à-Mousson, ça peut être Metz, ça peut être Épinal, ça peut être Saint-Dié. C'est un bel hommage pour Pont-à-Mousson.